وتحسبا أيضا لألعاب البحر الأبيض المتوسط بتاروجا الإسبانية، نشطت اليوم رئيسة الوفد الجزائري حسيب أبو المرقة ندوة صحفية تطرقت فيها إلى آخر التحضيرات قبل شد الرحال إلى إسبانيا، وهذا عبر 3 رحلات خاصة على متن الخطوط الجوية الجزائرية. أبو المرقة أكدت أن الوفد الجزائري وفرت له كل الإمكانات ليكون في راحة تامة. C'est la première fois qu'on a vu quelque chose pareil. C'est une procédure vraiment compliquée et jusqu'à maintenant, ils n'ont pas respecté le manuel d'organisation des JM. C'est-à-dire qu'il y a un cahier des charges qui le donne au COJM pour avoir les Jeux méditerranéens. Ils ont eu les Jeux méditerranéens après une année de retard. On veut encore. C'est un problème. C'est-à-dire, notre délégation, elle devait passer une délégation officielle, on ne devait même pas passer par le centre BSL. C'est-à-dire, on doit avoir un rendez-vous au consulat par groupe et qu'on nous fasse le visa en 24 heures ou 48 heures maximum.